Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Young Reborn. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés. Allez-y, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. En cliquant sur ce bon aussi, vous aurez accès à notre page d'accueil où vous ferez notre troisième chaîne. Abonnez-vous sur Young Reborn 3 et Young TV. La disparition de cette star a marqué l'histoire du pays. Beaucoup de choses se sont produites et finalement, nous revenons au début de l'événement avec un témoignage de l'un des amis proches à cette star avec qui cette dernière a eu à causer, a eu à échanger. Et ce dernier a décidé de nous dire ce qui a précédé l'événement, quel était l'état d'esprit de cette star dans ces dernières heures avant l'accident. C'est en ce moment que nous comprenons que franchement dans la vie, il y a trop de mystères que l'on ne peut pas comprendre, même imaginer. Ah, que Dieu nous donne seulement d'avoir les yeux spirituels, afin même de pouvoir même prévenir les accidents ou quelconque danger. Nous allons prier et demander à Dieu avant de l'écouter, de nous soutenir, même de nous aider, de nous protéger nous aussi et protéger même le reste de sa famille ainsi que tous les humains. Alors, fermons tous les yeux, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous, aie pitié de nos enfants. Ôte de devant nous tous les obstacles que nous placera l'ennemi. Que toi-même, Seigneur, tu viennes nous garder, nous protéger, nous débarrasser de tout ce qui ne te glorifie pas. Que ta vie soit en nous, même en abondance. Permets que de notre vivant, nous te cherchons de tous nos cœurs, de toutes nos âmes et de tous nos esprits. Et que toi-même, tu sois notre guide. Ô Jésus, sois notre guide et notre protecteur, même notre sauveur en des temps difficiles. Merci de nous aider à comprendre les secrets de la vie, les choses de la vie, et de nous aider aussi à faire moins d'erreurs. C'est toi ce qui peux aider, qui peut nous secourir. Viens nous aider aujourd'hui, vers sur le pays, vers sur l'Afrique, interviens en Afrique du Sud, et apaise la tension qui a lieu là-bas en ce moment. S'il te plaît, Seigneur, que ton ange descende là-bas pour calmer tout. Et veille sur tous les autres continents, même les continents qui sont frappés par les cyclones. Descends à l'Arizona et calme les tensions là-bas aussi. Amen. Mes frères et sœurs, si vous allez bien, vous devez aussi prier pour toutes les personnes qui se trouvent sur les lits des hôpitaux. Et tout ça. Prions ensemble, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, que ton esprit de vie descende sur le lit des hôpitaux et ramène à la vie toutes les personnes même qui s'étaient même en train de mourir. Peut-être même qui sont déjà partis, ramène-les et donne-les l'opportunité de t'adorer, de te suivre encore. Que tous ceux qui sont malades, que soit la guérison, que ton esprit de paix descende dans les familles affligées pour la seule gloire de ton nom. Amen. Maintenant, mes frères et sœurs, nous allons écouter le témoignage de l'un des amis proches à Cesta. Il va nous dire ce qui s'est passé lors de ce dernier moment. Ce que j'ai entendu m'a même étonné. Ah, ce dernier va nous dire des choses qui vont même vous étonner. C'est parti. Avant de d'aller plus loin, nous allons vous demander de partager cette vidéo afin que d'autres personnes puissent comprendre tas de choses, parce que l'histoire de la disparition de cette star est restée un mystère jusqu'à aujourd'hui et certaines personnes ne comprennent pas ce qui s'est passé même avant sa disparition. Mais ce que vous devez savoir, c'est que avant sa disparition, cette star avait rencontré beaucoup de problèmes. Écoutons le témoignage de cet ami proche en question. J'étais à mon boulot et mon ami
ami m'a appelé et m'a dit, bon frère Sam, tu sais, j'ai plus confiance en quelqu'un. Viens, tu vas rester auprès de moi. En toi seul, j'ai confiance. Wow. Il a dit, Joe, mais je suis au boulot. Il m'a dit, laisse ton boulot tomber, viens rester avec moi. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est dans ça, j'ai laissé mon boulot, je suis venu avec mon ami. Ça fait près de 8 mois, j'ai laissé mon boulot, je suis avec lui. Et à la veille de sa mort, le jour de sa mort, j'étais à Blocos en famille. Et il m'a appelé, il m'a dit, bon, viens me trouver à la 7e tranche, dans le bar de la soeur de la cave de la soeur de Roja, qui a le yellow. Voilà. C'est là que je suis arrivé. Il m'a dit, mais mon ami, on fait comment? On finit ici, on va à la 3, on va s'amuser un peu. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On était assis, en train de boire, on a bu quelques shots. On n'a même pas bu assez. Il me parlait des trucs, c'est la vie, il me parlait de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Il lui a dit, mon ami, laisse ça, on est venu pour s'amuser, qu'on s'amuse et on rentre. Vous entendez ça? Si Dieu était en train de nous dire que dans les derniers instants de ce star, elle parlait de Dieu, elle parlait de Dieu, elle parlait de Dieu. Vous savez, quand vous traversez des moments difficiles, la seule personne qui est votre secours, votre force, la seule personne sur laquelle vous pouvez même vous adosser, vous appuyer, c'est Dieu. Et cette star-là a finalement compris que franchement, dans la vie, on peut être abandonné par tout le monde, mais Dieu n'abandonne jamais. C'est pourquoi dans ces derniers instants, sans doute, cette star parlait de Dieu à son ami. Réécoutons encore cette partie-là, réécoutons. Si, en train de boire, on a bu quelques shots, on n'a même pas bu assez. Il me parlait des trucs, c'est la vie, il me parlait de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Il lui a dit, mon ami, laisse ça, on est venu pour s'amuser, qu'on s'amuse et on rentre. Vous voyez, quand vous voyez des amis qui vous parlent de Dieu, tu ne sais pas pourquoi tu parles de Dieu. Ah! Tu ne sais pas. Que Dieu soit dans notre vie, que le Seigneur Jésus nous guide et qu'il soit nos vrais amis. Mais vous savez, la vie n'est pas facile. Daichi a vraiment souffert. Il s'est senti abandonné par ses proches, par des gens à qui il avait le plus confiance. Tout le monde l'a lâché. Donc je vous dis, priez beaucoup pour le Daichi. Nous étions assis, il était aux environs de 21h30. Mon ami d'enfance m'a dit, Marie, François, je veux prendre un peu la moto, aller prendre un peu d'air, comme il avait l'habitude de le faire. Donc je lui ai dit, mon ami, bon, tu sais, prends ton casque. Il m'a dit, non, s'il prend le casque, le vent n'a pas bien le soufflé. Il lui a dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, je vais aller coordonner le carrefour. D'où la femme est sortie, il va aller coordonner le carrefour. Là, tu vas passer tranquillement à ta moto. Il m'a dit, non, va récupérer mon téléphone. Au fait, il faisait tout pour m'éloigner, au fait. Comme s'il sentait que il allait lui arriver un truc. Waouh! Est-ce que vous attendez un peu? Revenez un peu en arrière. Il a dit non. Il va lui condamner le carrefour. Lui, il dit qu'il va lui condamner le carrefour. En fait, le carrefour, il y a eu l'accident. S'il prend le casque, le vent n'a pas bien le soufflé. Il a dit, bon, ok, pas de souci. Je vais aller condamner le carrefour. D'où la femme est sortie, il va lui condamner le carrefour. Là, tu vas passer tranquillement à ta moto. Il m'a dit non. Va récupérer mon téléphone. Au fait, il faisait tout pour m'éloigner, au fait. Ces genre de choses arrivent très souvent, hein. Bizarrement. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais moi-même, j'ai déjà vécu un truc pareil. Il y a un de mes amis, avant de rendre l'âme, d'abord, il était malade, il était couché, et des gens sont venus lui rendre visite. La dernière personne est venue lui rendre visite, elle a dit que, avant que ce dernier rende l'âme, ce dernier lui a demandé d'aller juste lui prendre un verre d'eau. Et quand cette personne-là s'était éloignée, c'est à ce moment-là que ce dernier a rendu l'âme. Et quand la dernière personne à cause avec mon ami est venue, elle a trouvé mon ami déjà décédé. Ce dernier avait déjà rendu l'âme. Ce sont des choses qui arrivent bizarrement, hein. C'est étrange, mais ça arrive très souvent. Écoutons encore. D'où la femme est sortie, il va lui condamner le carrefour. Là, tu vas passer tranquillement à ta moto. Il m'a dit non. Va récupérer mon téléphone. Au fait, il faisait tout pour m'éloigner, au fait. Comme s'il sentait que il allait lui arriver un truc. Il m'a dit, laisse le carrefour, va prendre mon téléphone qui est sur la table.
Donc là que je suis allé prendre le téléphone, il était déjà parti avec sa moto. Le temps de courir, arriver au carrefour, la dame avait déjà coupé. Et c'est dans ça, Daichi est tombé. J'étais avec lui, appelé les pompiers, avec lui jusqu'à même dans l'ambulance, jusqu'à la polyclinique. Donc tous ceux qui racontent des conneries, des bêtises sur les réseaux sociaux qu'ils étaient avec Arafat, jusqu'au jour de sa mort, Arafat a dit ça, Arafat a dit ça. Je suis la seule personne à qui Arafat a parlé avant de mourir. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Vous avez entendu? Il a dit qu'il est la seule personne avec qui ce dernier Sesta a parlé avant sa disparition. Ah! Franchement, c'est vraiment trop étrange. Sesta a connu tas de trucs. Elle a connu du succès. Elle a plusieurs prix, beaucoup de prix. Mais vers la fin, sa fin, les choses ont commencé à se bloquer de part et d'autre. Et elle faisait tout le temps des vidéos pour échanger avec ses fans, pour leur dire ce qui n'allait pas et qu'est-ce qui était son problème. Sesta parlait de ses panneaux qui étaient enlevés et des tas de choses. On ne veut pas revenir sur le sujet. Mais ce qui est vraiment étrange, c'est ce que cet homme vient de raconter ici. C'est comme si le truc devait arriver, quoi. Et puis ça arrivait. Mais Sesta là lui parlait à chaque fois. Il lui parlait, peut-être qu'ils étaient en train de boire, il lui parlait de Dieu. Et il a même dit qu'ils n'ont pas tellement bu, ils n'ont pas trop bu. Ils n'ont pas trop bu. Ça veut dire que sans doute Sesta n'était pas en état d'ivresse. Parce que les gens disent que c'était à l'état de fait. Non, apparemment non, il n'avait pas trop bu. Selon ce que ce dernier veut dire. Waouh! Et quand ce dernier a tenté de lui donner le casque pour que Sesta la puisse porter le casque, bizarrement, Sesta a dit non, laisse tomber, je veux que le vent me souffle ma tête. Vous voyez, il y a des trucs vraiment. C'est des trucs qui arrivent souvent. Qu'ils arrivent souvent. Dans la vie, on ne sait jamais. Si vous êtes avec un ami, cet ami-là n'a pas l'habitude de vous parler de Dieu. Le jour où ce dernier commence à vous parler de Dieu, là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez l'encourager sur le chemin. Jean pour lui dire, parle-moi, continue à parler, parce que le dernier n'a pas l'habitude de faire ça. Mais vous savez, ce qui devait arriver, c'est ça qui est arrivé. On ne peut plus faire marche arrière. Sinon, d'écouter ça et nous-mêmes d'en tirer de très bonnes leçons. Franchement, la vie est parfois cruelle. L'histoire de la disparition de Sesta nous enseigne beaucoup de choses. Beaucoup, 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 beaucoup de choses. Sesta a dit quoi à son ami qui vient de rendre ce témoignage? Ce dernier a dit que quand Sesta l'a appelé, Sesta lui a demandé de venir rapidement près d'elle et de rester avec elle. Parce que Sesta a dit que, parce qu'elle elle a constaté que, franchement, même ceux-ci qui elle comptait l'ont abandonné. Et la seule personne sur laquelle elle pouvait même compter à l'instant où elle se trouvait, c'était sans doute ce dernier qui vient même de rendre ce témoignage. Waouh! C'est vraiment mystérieux. Vraiment, vraiment mystérieux. Que Dieu veille sur ses enfants, que Dieu veille sur sa famille, que Dieu nous console tous et que Dieu nous aide à trouver le bon chemin pendant que nous sommes en vie et qu'il demeure toujours avec nous. Prenez soin de vous, partagez cette vidéo et vraiment, si vous aimez bien quelqu'un, faites très attention à cette personne aussi. Parce que c'est ça l'amour. Donnez-vous de vrais conseils, soutenez-vous et avancez tout droit sur le bon chemin. Quelles que soient les difficultés,
quel que soit le problème, de toute façon, ça fait partie de nous. Partagez cette vidéo pour pas vous la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. C'est parti.